step out, get some air now. Let your edge out, touch some ice, but you'll be heavy in my mind. Can you get the heck out? I need rest now, got me bummed out. You. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve au réveil. Alors maintenant je me filme au réveil. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai commencé mon dimanche avec une grosse séance de lecture. Là ça fait 40 minutes quand même que je lis. Cool pour commencer la journée, j'adore. Parce que au moins ça me fait pas prendre mon téléphone dès le réveil. Je lis le livre que je lis, je l'aime trop. Bah là il est sous la caméra. C'est le livre Les Antisèches du Bonheur de Jonathan Lehman. Un livre trop bien, je vous le conseille vraiment vraiment vraiment. C'est du développement personnel mais vraiment concret, c'est pas nunuche. Et j'ai trop hâte de commencer mon nouveau livre après. J'ai acheté ces deux livres à la fac de la même édition. C'est le premier, Comment parler en public. Et le deuxième, c'est comment trouver le leader en vous. Bah, moi je le casse dans développement personnel mais plus professionnel, plus personnel. Du coup j'ai bien hâte. Je sais pas trop par lequel je vais commencer. Parler en public, ça peut être bien. Sachant qu'en ce moment je vais passer des entretiens pour l'alternance. Je pense que je lirai les deux résumés et je verrai lequel me donne le plus envie de lire en premier. Là j'avais mis un réveil à 8h30. Je me suis rendormi parce que j'étais encore fatigué. Il y a seulement le dimanche où on peut faire ça, donc j'en ai profité. Là c'est un dimanche où on prend le temps. J'ai pas vraiment de routine du dimanche. Des fois j'aime bien faire des dimanches hyper productifs où je remets tout à zéro pour la semaine. Des fois j'aime bien les dimanches quand je suis invité à un repas de famille. J'aime bien les dimanches où on prend juste le temps, on prend soin de nous, on va se promener, on sort, on profite du dernier jour du week-end. Là, ce sera plutôt le troisième mood où on va prendre le temps. Du coup, je reste à la maison, là du coup je vais prendre un petit déj, mais il est déjà 11h20. Parce qu'en fait j'ai lu pendant super longtemps, du coup j'ai pas vu le temps passer. Mais c'est bien parce qu'on a dit qu'on prenait notre temps, donc voilà. 11h20, je vais boire mon petit verre de jus de fruits avec des madeleines, et puis voilà. Et puis on ira se promener je pense dans la journée de toute façon. Les amis, on s'habille ensemble. C'est parti. On va s'habiller. Je pense que je vais mettre mon petit cardigan noir que je l'aime d'amour. Bien de chez Mango. Purée, mais oh, vous me voyez pas en fait. Ok, après. En soi, je vais remettre. Oh, c'est bon, je crois que je sais. Ça. Et voilà. Allez hop. Voilà. Petit cardigan que je vais laisser ouvert, je pense. Je pense que je laisse ouvert. Ah bah tiens. Voilà. Je vais hésiter. Petit soupule blanc col roulé. Et mon jean. Il est midi. Oui, déjà. Je vais ranger un peu vite fait ma chambre, là, mon petit déj. Tu vas peut-être regarder une petite vidéo YouTube avant qu'on mange. On a dit qu'on prenait le temps aujourd'hui. Bon, les loulous, on se motive pour nettoyer la voiture. Bon, il faut savoir que dans la vie, je suis vraiment pas quelqu'un de bordélique. Mais alors, dans ma voiture, c'est abusé. En fait, à chaque fois que j'ai un papier, je le mets dans ma porte, dans ma boîte à gants, et je finis jamais. On a des papiers dans la porte. On a un paquet de gâteaux vers mon frein à main. On a ici tout un tas de déchets. On a un Starbucks ici. We'll be right back.
J'ai désormais une voiture toute propre, ça me satisfait. Je suis trop content. Je voulais laver l'extérieur au rouleau, mais il était hors service, donc j'y suis allé pour rien. Mais c'est pas grave. J'irai dans la semaine. De toute façon, je crois qu'il pleut. Je range un peu ma chambre là. Ma soeur m'a donné ses chocolat de Pâques. Je suis super content. Et ensuite, on va partir se balader, je pense. Bon. Et eh bien c'est mort pour la promenade. C'est pas grave, au moins je me mets un peu plus vite au boulot parce que j'ai quand même envie un peu de travailler. Par contre du coup la lumière. Alors du coup là ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais continuer de postuler pour des alternances. Donc là je dois être un peu plus de 20 candidatures envoyées en 3 jours. Du coup je vais continuer dans cette lancée. Voilà, j'espère avoir des retours la semaine prochaine pour commencer à planifier mes entretiens quoi, de savoir quand est-ce que je vais à Lyon, etc. pour m'organiser un peu avec le travail. Du coup je vais faire ça. Et après je pense que je vais faire un peu de lecture. En fait j'ai complètement oublié ce livre. Mais alors, mais oublié vraiment. En fait, vu que le soir je lisais mes livres de développement personnel, j'avais oublié que j'avais acheté un livre plus sur l'entreprise, tout ça. Enfin sur le sujet qui m'intéresse quoi, j'adore l'entreprise etc. Et c'est surtout pour avoir quelques bases avant de rentrer en alternance en entreprise et d'entrer dans ma formation. Donc c'est ce livre, vous voyez qu'il est assez gros et en fait dedans, bah en fait c'est un peu comme un manuel, vous voyez il y a plusieurs parties etc. Mais du coup c'est pas une lecture que je fais le soir. Parce que si tu lis ça le soir avant de t'endormir là, tu pètes un câble. Ça parle de business quoi, moi j'ai pas envie de m'endormir avec de la finance ou de... la vente, non. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo quand j'aurai trouvé mon alternance, j'espère avant cet été. Eh bien, je vous ferai une vidéo YouTube sur comment je me suis organisé pour la trouver. Parce qu'il y a toute une organisation, elle est assez personnelle, mais il y a plein de conseils que moi j'ai reçus et que je pourrais vous transmettre qui sont importants pour la recherche d'alternance. Bon, ça fait maintenant une heure que je suis sur l'ordi. En fait, j'ai recherché encore des offres d'emploi. J'ai vu qu'il n'y en avait plus trop sur Indeed. Du coup, j'ai décidé que j'allais faire des candidatures spontanées à partir de maintenant. Du coup, j'ai cherché en fait sur internet des agences de communication et de marketing sur Lyon qui m'intéressaient, etc. Je les ai notées dans mon carnet. Et demain, j'envoie mes candidatures. Là, j'ai pas forcément envie de les envoyer maintenant parce qu'en plus, on est dimanche et tout. Enfin, je préfère recommencer demain, sachant que j'en ai envoyé plus de 20 en 3 jours, je suis assez content déjà, c'est un bel objectif de fait. Et le reste du temps, j'ai passé à faire la miniature de cette vidéo, étant donné que j'aimerais qu'elle sorte demain. Donc on est limite sur du direct. et puis voilà. Là, on va faire un petit goûter devant une vidéo YouTube, je pense. Et après, on verra ce qu'on fait. Après, je pense que je vais lire. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Rose. Les gars, regardez ce que je vois. Du soleil. Dans mon cœur, c'est trop beau. Une part. Vous savez ce qu'on va faire? On va aller se promener avec un petit podcast dans les oreilles. J'adore faire ça le soir. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a géré pour la vie. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Il est pratiquement 21h. Oui, ça passe beaucoup trop vite les dimanches. Bah, il est temps un peu de préparer la semaine. Enfin, quoique. En fait, je prépare pas trop à la semaine. Je sais ce que je fais dans la semaine. Les événements importants, si j'ai des rendez-vous, c'est noté dans mon bullet planner comme je vous ai fait voir dans ma précédente vidéo. Et là, demain, j'ai fait la to-do list pour demain. Ça, déjà, c'est cool. Donc, demain,
pas mal de choses à faire quand même. Moi je filme un weekly vlog, donc la vidéo de dimanche ou de lundi prochain, ça dépend. Ce sera un weekly vlog là de ma semaine qui arrive, que je suis en train de préparer avec vous. Donc c'est bien, ça fait une petite suite de ce vlog. Il faut que je range mon goûter aussi, parce que là, on dirait que je suis sale. Alors, faites voir demain la météo pour qu'on choisisse notre tenue quand même. Alors, lundi fait 15 degrés, bah c'est pas mal. On va pouvoir mettre un t-shirt et un blazer. Ça me rend très heureux ça. C'est un petit t-shirt violet pastel, enfin genre lavande, et je le trouve trop beau. Il ressort pas du tout à la caméra, on dirait que j'ai juste un t-shirt blanc délavé, mais je vous assure qu'il est beau. Je crois que j'aime bien. On s'installe dans le petit salon, on allume les lumières et on va se faire une petite soirée tranquillou en notre propre compagnie. J'allume tout, hein, les guirlandes et tout. On s'installe, petit plaid. Ah, on se met la totale, je me suis même mis un petit verre d'eau, un petit lapin de Pâques que j'ai toujours pas mangé. Écoutez, on se traite bien quand même, voilà. Et ce soir, je vais regarder Le Diable s'habille en Prada. Je l'ai déjà regardé une fois. J'aime énormément ce film. Et j'ai trop envie de le regarder une deuxième fois. Faut savoir que quand j'aime vraiment beaucoup un film, la première fois que je le regarde, c'est très souvent que je le regarde deux voire trois fois, parce que je redécouvre à chaque fois de nouveaux trucs que j'ai pas découvert en le regardant une fois. Et ça, c'est un vrai truc. Et même pour des livres de développement personnel où vous apprenez vraiment des trucs plusieurs fois pour avoir vraiment l'intégralité. Là, j'ai trop envie de re-regarder ce film. Donc on regarde Le Diable s'habille en Prada. Sometimes I look in her eyes, and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of